So what's up YouTube? Ici Alexandre Lessard, comment ça va tout le monde? Ici en direct de mon salon cuisine bureau d'Asie. Et oui, je vais jouer avec cette manette de Nintendo authentique réplique au modèle USB que j'ai acheté sûrement de Chine. Eh bien, je n'ai pas été déçu. S'il y a un bouton qui reste calé, on le répare et ça fait la job. Donc on y va pour un peu de Ninja Gaiden. Donc là, ça se peut que je sois pas si bon que ça. Pourquoi? Eh bien, simplement pour la bonne raison que voilà, c'est en direct. Donc, je fais de mon mieux. Ça se peut qu'il y ait des bugs, des glitches ou whatever, parce que c'est comme ça quand on est live. Donc, moi, je suis live. Je sais, je suis pas le meilleur, je suis pas un pro. Non, mais je m'essaye au moins, tu sais. J'ai jamais admis que j'étais le meilleur dans quoi que ce soit, dans aucun jeu, dans aucune technique de dessin, whatever, ou de littérature. C'est juste que je me débrouille. Puis, maintenant, avec la super manette de Nintendo, je vais pouvoir vous montrer un peu, ben, réplique authentique de Nintendo, plutôt. Je vais vous montrer que c'est possible de jouer à un jeu de Ninja Gaiden. Alors, on y va. Donc, pourquoi je fais tout ça? Eh bien, pour que vous sachiez que, même si on n'est pas le meilleur, on peut s'entraîner à le devenir. Je sais, je ferai pas un gros speedrun. J'essaie juste de me rendre le plus loin que je peux avec les premières vies du jeu. Comme dans tous les jeux Nintendo, on peut gagner des vies supplémentaires en étant très fort et en faisant le plus de points possible. Donc je sais pas dans Ninja Gaiden c'est à combien que s'élève le montant des points pour avoir la première vie gratuite. Mais dans chaque jeu c'est différent. Alors. Je sais que j'ai joué toute la journée parce que, eh oui, on est en confinement. Je sais, il y en a plusieurs qui sont pas d'accord, qui vont dire, nu, on veut sortir. Oui, c'est sûr, moi aussi je veux sortir. C'est pas que j'aime ça être chez nous à manger puis regarder mes chaises brisées sous mon poids. Mais alors, c'est pas important, allez, on va battre le boss. Ah oui, le fait que je porte le masque dans mon vidéo, c'est juste pour montrer l'exemple. C'est pas parce que je porte normalement chez nous. Non, non. Parce que là, on est dans le plein corridor de mon appartement qui est tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Donc, on s'en fout de l'histoire. Ce que je veux, c'est me rendre le plus loin possible avec mon contenu. Alors, on continue. Et alors? Alors? Ouvrez vos manuels à la page 32. Ouais, mais c'est quoi ça, la page 32? On n'a même pas appris à compter jusqu'à 10. Ah, whatever, man. Alors, c'est parti. Ah, je suis content parce que lors de ma première essai, toute la partie était comme en train de planter là, sous le poids de mon ordinateur timbré. Mais c'est un vieil ordinateur, mais il fait encore le boulot. J'ai pas l'argent pour acheter d'autres pièces alors. Ben, j'ai manqué des points là. Donc pas de turbo sur ma manette. Quoique ça aurait pu être utile, mais non. Ah oui, un petit conseil pour ceux qui veulent commencer à jouer à Ninja Gaiden. Je sais que ils ont commencé à vendre beaucoup de consoles, les fausses mini NES. Puis il y a les jeux de Ninja Gaiden 1, 2, 3 dessus. Ouais, je suis quand même informé, là. Mais en tout cas, donc si vous voulez un truc, regardez bien. Vous avez vu? Il y a un speed... un speed tricks. Là, je commence à perdre des points d'énergie.
Donc, le but, c'est toujours de se rendre le plus loin possible sans mourir. Bien évidemment. J'aurais bien ça battre mon record en même temps que je joue en parlant avec vous. Mais si vous regardez, c'est que peut-être que vous avez été intéressé par le sujet. Parce que j'ai fait cette vidéo dans le but de faire une vidéo de qualité. Contrairement à ce que les gens croient, j'ai quelque chose à dire et de qualité. Parce que je suis quelqu'un d'important. Et je m'aime. Alors, le deuxième boss. Wouhou! J'espère que ça arrive juste pour vrai, parce que sinon, je fais ça pourquoi? Alors, on continue. Ce niveau-là est particulièrement plus difficile que les deux premiers, qui étaient aussi très difficiles. Mais le trick dans Ninja Gaiden, c'est que plus tu joues, plus tu apprends des choses. Des trucs. Ouais. Comme vous avez vu, j'ai pu. Un autre truc, si vous voulez commencer à jouer à ce jeu-là. Quand que Ryu, le ninja s'appelle Ryu, le bonhomme que j'ai, quand il est en train de tomber dans les airs, ou que tu veux t'accrocher. Ça, c'est comme. Tu tombes là, comme ça, c'est comme normal. Je vous montrerai, moi, que je sois sur une surface nice, là. Il faut juste que je me concentre pour pas mourir là. Puis c'est quoi Ninja Gaiden? Ah non! C'est quoi Ninja Gaiden pour ceux qui le savent pas? Ouais, ça c'est mon look ninja. Yeah. Non, c'est pour le COVID. En tout cas. C'est quel genre de jeu Ninja Gaiden? C'est un jeu d'arcade à la base. Ok? Fait que pour ceux qui savent pas. Oui, Ninja Gaiden était un jeu d'arcade à la base. Donc je vais me rendre le plus loin possible avec mon continu. Juste une vie. Donc, c'est surtout aux arcades dans les années 80 ou 90, là, dans ce coin-là, vers la fin des 80 en tout cas. Et ils ont sorti la version pour Nintendo. Celle que je joue en ce moment. Ça, c'est la troisième édition de la collection au Nintendo. NES. Nintendo Entertainment System. Mais, tout ça pour dire. Ah oui, ma manette a fait start pour rien. Tout ça pour dire. Ça a été un gros succès aux États-Unis, puis en Amérique du Nord aussi. Ah non, j'ai perdu ma vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Grand succès égale suite assurée, mon gars. Donc, le jeu a connu trois parties. Le premier, Ninja Gaiden. Le deuxième, Ninja Gaiden 2. Je ne me souviens plus le titre. Le troisième, Ninja Gaiden 3. De Doom, de Ship Doom. Donc, j'essaie de pas vous décevoir, petit auditoire, parce que oui, je n'ai pas grand personne qui m'écoute. D'ailleurs, si vous écoutez ce message, allez sur ma chaîne Alex Yann Lessard, avec Yann avec un i, et abonnez-vous. J'ai besoin de votre support. Donc, si vous voulez partager les vidéos, que vous pouvez apprécier parce que c'est pas toutes les vidéos qui sont appréciées, je tiens à le mentionner parce que. Ah non! En tout cas, si vous voulez partager ma chaîne, ce serait amplement apprécié. Donc, juste vous abonner et partager, mettre des j'aime et regarder de temps en temps une vidéo. Ça m'aiderait bien à peut-être percer là-dedans. Quoique j'en ai plus vraiment. Pas l'intérêt, mais je veux dire, j'en ai plus vraiment. Espoir là que c'est la foi que j'ai perdu la foi que ça se concrétise peut-être. C'est parce que j'aimerais bien faire des vidéos de studio avec plein de gadgets à vous montrer, particulièrement des gadgets pour jouer avec un cellulaire Android ou bien alors des manettes type USB qu'on retrouve uniquement en ligne parce qu'il n'y a pas autre moyen de les acheter, faute de magasin. Alors si ça vous intéresse, abonnez-vous. J'essaie de faire plus de rubriques intéressantes. Mais ça, c'est juste pour montrer que
Oui, j'ai quelque chose à dire. Ah. Je suis en train de mourir dans le jeu. Donc, c'était une vidéo de Ninja Gaiden par Alexian Lesar dans le but de dire « Je ne suis pas qu'un numéro. » Alors, je ne suis pas encore mort. Oh, des vies ici. Oh, mais Alex, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai fait des vies. Des vies? Eh oui. Des vies. J'aimerais ça vous montrer la partie suivante. Oh! Oh! Ouais, c'est cette partie-là. Oh non, je suis tombé comme un débutant! Ah, j'ai pas pu vous montrer la partie que je voulais, mais je me suis rendu loin quand même pour un seul continu. C'est pas facile, en plus, je disais plein de niaiseries. Donc c'est ça. Et alors c'était Alexian Lessor, c'est moi. Je vous partage un moment de ce jeu et de ma personne. Donc qui je suis, vous apprendrez à le découvrir lors de officiellement des vidéos de ma chaîne. Néanmoins, il se pourrait que je crée une nouvelle chaîne en partenariat avec un ami secret qui a rapport avec cette vidéo. Alors si tu m'écoutes petit, sache que ce n'est pas que je ne veux pas ou que c'est que je ne sais pas comment faire tous ces arrangements numériques. Alors, c'était tout pour Alex ce soir. Donc, je vous dis prenez soin de vous, mettez le masque et rentrez avant 8h. Donc, c'est rendu ça la vie. Ciao, ciao!